reborn. Bonjour les reborn, bienvenue. Dans cette vidéo, nous continuons ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment une femme a failli se faire tuer par une sorcière. Vous pouvez aller regarder cette vidéo à la fin parce qu'elle va apparaître à la fin ici sur le camp. Vous allez regarder ce que je veux. Vous allez écouter et découvrir ce que je vous ai dit par rapport à tout ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment aller loin. Aller loin dans cette affaire et vous dire encore plus de choses. Mes frères et sœurs, c'est ainsi. Vous devez être prudent. Prudent surtout quand il y a une chose qui fait votre joie. S'il y a une chose que vous venez de recevoir et que ça fait votre joie, vraiment, méfiez-vous des gens autour de vous. Ou s'il y a une chose que vous allez avoir et ça fait votre joie, vraiment, méfiez-vous aussi des gens qui sont autour de vous. Ne leur dites rien s'ils ne pourront pas vous aider à voir ce que vous devez avoir. Ne leur dites rien s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si vous confiez au diable, le diable va détruire vos affaires. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose de très très important. Ce sur quoi même tous vos ennemis travaillent. Si vous comprenez ça bien, vous êtes sauvés. Si vous faites semblant de ne pas comprendre, vous êtes dans la merde. Écoutez-moi bien. Les sorciers cherchent à enlever ce qui fait votre joie. Les sorciers, là, ils cherchent à enlever en ce moment, je viens de vous parler, ce qui fait votre joie. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes, à ma connaissance, hein, je pense que nous sommes dans le mois de décembre. Et aujourd'hui, c'est le 16 décembre, ok? Là, on est d'accord. En ce moment, il dit, ça va là où je viens de vous parler. L'ennemi cherche à enlever ce qui fait votre joie. L'ennemi cherche à transformer votre joie en son contraire. Le pire, l'ennemi souhaite que le pire vous arrive. Et ils sont en train de travailler en groupe pour atteindre leurs objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont travailler aussi avec la personne avec qui vous avez le plus d'affinité, la personne avec à qui vous confiez beaucoup, la personne avec qui vous sentez en sécurité. C'est-à-dire que le diable va utiliser la personne que vous considérez là pour tenter de vous avoir. C'est-à-dire que cette personne, le diable va venir vers elle. Si cette personne est une sorcière, c'est déjà gagné. Si cette personne n'est pas une sorcière, le diable va lutter pour essayer d'avoir cette personne, pour essayer d'acheter cette personne parce que le diable veut l'utiliser pour vous détruire. Et dans ce genre de situation, les gens peuvent se retrouver avec leur mère comme ennemi, avec leur père comme ennemi parce que ces gens-là ont accepté de se faire corrompre par le diable. Donc, ils seront tout de suite vos ennemis. Ceux-là maintenant vont travailler avec le diable afin de vous combattre et transformer votre joie en pleurs, en problèmes, en malheurs. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment cette femme venait d'avoir son bébé et comment cette sorcière est venue lui offrir des cadeaux. Comme quoi, quand vous avez une bonne nouvelle, le diable et ses sorcières viennent aussi à votre fête pour fêter avec vous. Pas parce qu'ils ont envie de fêter avec vous, hein. C'est parce qu'ils cherchent les moyens d'enlever votre joie. Maintenant, réfléchissez bien. Qu'est-ce qui fait votre joie? Pour quelqu'un, ça peut être, par exemple,
le fait qu'il ait trouvé un nouveau job. Il a trouvé un nouveau job, c'est un bon job, c'est une promotion, c'est quelque chose d'extraordinaire, un truc du genre. En tout cas, la chose qui fait votre choix, c'est ce que l'ennemi va travailler contre ça, afin de pouvoir retirer cela. C'est sa mission de tout le temps. C'est sa mission de tous les jours. Et pour y arriver, c'est simple. Il va fonctionner comme ce que je viens de vous expliquer. Passer par les proches, passer par les amis, les gens avec qui vous avez le plus d'affinité, pour vous induire en erreur. Regardez par exemple une personne qui a réussi dans la difficulté. Si vous êtes une personne qui a réussi, sachez que ça ne plaît pas au diable parce que vous n'avez pas baptisé avec lui pour avoir ce que vous avez. Vous n'avez pas fait de deal avec lui pour avoir vos richesses et vos biens. Donc, il va chercher à vous combattre. Vous voyez ça? Maintenant, pour vous combattre, il va vous envoyer des gens qui sont proches de vous. Il se fatigue même pas. Il se fatigue même pas. Il va envoyer des gens qui sont proches de vous, ou les gens avec qui vous causez facilement. Et il va se mettre dans la bouche de ces gens, et ces gens-là vont se mettre à vous conseiller, à vous parler. Mais leur conseil là, le résultat de leur conseil là, c'est la mort, c'est la destruction de toutes vos richesses, c'est la faillite de votre entreprise. Si vous suivez leur conseil, vous allez tomber. Parce que c'est le malheur qui accompagne leur conseil. Allez lire Psaume 1. Psaume chapitre 1. Le Seigneur nous dit de ne pas écouter ces gens, de ne pas écouter les méchants. Mais comment vous allez savoir que ce sont des méchants? C'est là, je vous ai dit hier, priez dès à présent pour savoir qui sont ceux qui sont autour de vous. Est-ce qu'il y a des infiltrés? Les infiltrés là, ce sont les sorciers et les sorcières qui sont dans nos proches, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, toutes catégories confondues. Je dis bien toutes catégories confondues. Parce que souvent, les gens, ils font tout, ils cherchent tout, ils cherchent tout, et puis ils laissent le côté parental. Faites attention, hein? Le diable s'en fout de vos parents. Le diable s'en fout. Il y a certains de vos parents même qui étaient dans la sorcellerie avant que vous ne naissiez. Allez, eux ont commencé la sorcellerie il y a très longtemps. Vous n'étiez même pas même en vue même. Et c'est peut-être 20 ans plus tard, c'est là où vous êtes venu au monde. Donc il y a plus de 20 ans, eux ils étaient dans la sorcellerie. Ici, ils faisaient du mal aux gens, ils faisaient de conneries. Et vous, vous arrivez. C'est pas votre présence qui va changer quelque chose dans la vie. Je vous parle de quelque chose. C'est dingue. On rit, mais la sorcellerie fait beaucoup de dégâts. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est pourquoi je vous dis, dès à présent, méfiez-vous à qui vous vous confiez. Si dès que vous vous confiez à quelqu'un, vous ouvrez, vous donnez l'autorisation à cette personne de vous combattre, d'avoir accès à votre vie. C'est comme moi, j'étais là tranquillement et je cherchais à construire un truc et où je réunissais mes idées. Quand tout à coup, une camarade, elle m'appelle et puis elle me parle de mon projet. Comme si il avait déjà raconté ça. Souvent, vous voyez ces gens des signes, mais vous pensez que c'est de la blague. Ça, ce sont les signes des sorciers. Comment elle a informé qu'il y a un tel projet? C'est une sorcière. Déjà là-bas, à sa position, à des milliers de kilomètres, elle peut savoir tout ce qui se passe ici. C'est parce que les démons lui ont communiqué l'information. Et comme le diable lui-même ne peut pas venir, comme le démon ne peut pas venir, le diable l'a utilisé et lui a dit, faut lui dire ceci, faut lui suggérer cette idée. Là, il va faire fight. Là, il va échouer. Là, le malheur va lui arriver dans son projet. Voici ce que les sorciers font. C'est pourquoi, dans Psaume chapitre 1, Dieu nous a dit de ne pas écouter ces gens-là. Moi, je viens juste ce matin-là commencer cette vidéo pour vous dire, le diable cherche à prendre ce qui fait votre joie. Si c'est votre enfant qui fait votre joie, veillez bien sur votre enfant. Si c'est votre nouvelle voiture qui fait votre joie,
prier sur la voiture, ne laisser personne rentrer dans la voiture. N'importe comment et n'importe quand. Non. Une personne qui n'a pas digne de confiance, ni la, ni, non. Même ne présentez même pas cette mauvaise voiture à des gens à qui vous n'avez pas confiance. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dans Jérémie 17, verset 5. Dieu nous a dit, malheur à qui qu'on se confie à l'homme, non? Erreur, malheur, tu allais te confier à l'homme. Ce qu'on va te montrer, tu ne vas pas croire. Mon frère, tu ne vas pas croire. Il te parle de quelque chose. Moi, j'ai traversé et j'ai traversé des choses. Aujourd'hui, j'ai confiance en personne, même à moi-même. Moi-même, en tant que cher, je n'ai pas confiance. Mais j'ai confiance en l'esprit que Dieu m'a donné. Ouais. Je confiance au Saint-Esprit. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un sorcier. Ça, c'est clair. Même les sorciers sont courants. Moi, je veux vous informer. Vous pouvez venir que ces temps-ci, ce sont des temps dangereux où l'ennemi cherche à prendre ce qui fait votre joie. Parce que eux, ils doivent offrir des choses au diable à la fin de l'année. Donc faites attention et méfiez-vous. J'ai fini de parler. Maintenant, la vidéo va apparaître ici. Vous allez voir avec plus de détails l'histoire de cette femme si vous n'avez pas encore découvert cela. À vous de jouer. C'est parti. Waouh! Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir l'Ignorance Reborn, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignorance Reborn 3. Agrégation Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Ignorance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.